Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K14, un match aléatoire qui a été proposé en commentaire. Par contre, j'ai oublié de noter ton pseudo, tu m'excuseras. Mais la personne m'a dit, Cody, ça serait bien que tu fasses un peu comme dans FIFA. Bah, de temps en temps, des matchs aléatoires. Donc, je peux très bien tomber sur une personne que j'adore, qui est super fort, contre une personne qui est moins forte, et l'inverse. Donc, ça peut être intéressant. Ce sera genre un match pour moi que je ferai comme ça. Pourquoi pas? Après, vous me dire si ça pourrait vous plaire, que ça sera un peu plus fun. Le mode de jeu que j'ai choisi là, c'était Extreme Rules, puisque c'est le mode que je préfère. Et puis voilà, vous pouvez laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et pour la semaine prochaine, que celle-ci, je vais la poster dimanche normalement. Bah, à vous de me proposer les matchs que vous voulez voir en commentaire, c'est très simple. Vous me les proposez, et suivant les nombres de likes que a ce commentaire, et eh bien je pourrais le faire la semaine prochaine, voilà. Plus il y a de likes aux commentaires, plus il y a de chances que je le fasse. Et voilà, vous demandez à vos potes qui mettent un petit like à votre commentaire, et c'est aussi simple que ça. Donc, aléatoire, c'est triangle, voilà. Bon, Kofi Kingston, c'est parti. Hop. Contre Wade Barrett, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc un combat qui s'annonce assez équilibré, que 80-87. Deux combattants que... Attendez, je vais me mettre où hop. Tiens, over the limit, pourquoi pas. Deux combattants que j'utilise pas souvent. Peut-être Kofi Kingston un peu plus, mais Wade Barrett, pour moi, ça sera la première fois, il me semble, que... À part peut-être dans le Royal Rumble, vous l'avez peut-être vu, mais sinon, première fois qu'on va... On va le voir combattre, en espérant qu'il soit pas trop galère. Hein, nous sommes en difficulté légende, donc n'importe quel catcheur peut être super fort. Voilà, Kofi, direct, il commence très fort. Et vous savez très bien, dès que je commence fort, ça annonce quelque chose de mauvais. Et là, coup du bélier. Eh bien non, coup du bélier qui ne passe pas, je me prends une feinte. Et heureusement que je suis en forme. Oh, salut. Voilà. Tu me cherches, je suis là. Là, je vais te mettre un coup d'escalier. Non, t'auras pas le temps. Ah ouais. Et voilà, on va terminer le combat comme ça. Vous verrez rien. Ok. Comme vous savez, enfin, vous savez très bien que je merde. Ok, il me lance en pleine gueule. Ah, t'es comme ça, toi. Hein, voilà. Ceux qui sont juste en face de moi, au niveau des spectateurs, doivent être bien contents. Mais non, par contre, là. Allez, salut. Vas-tu le lancer sur le ring? C'est ce que j'attendais. Comme ça, je le récupère sans trop de problèmes. Faut que je le fatigue. Aujourd'hui, je vais lui faire très mal. Non, non. Ok, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, bah oui. En plus, j'ai mal au pied. J'ai une entorse. Laisse-moi tranquille. Petit rapace des piques. Merde, deux produits. Oh, mais non, il était beau celui-là. Là, je parle pas de son coup, hein. Je parle de mon compte. Normalement, il devait être bon. Hein. Non, mais arrête! Il se fout de ma gueule. Ok. En plus, tu tapes dans ma tête. Tu sais que j'ai un gros cerveau, c'est pour ça? Je suis pas de noix de coco, hein, attention. Là, je fais ma petite danse de marabout. Normalement, ça devrait le faire. Moi aussi, je récupère un objet, tiens. Ah ouais, tu veux prendre une table? Bah attends. Là, je vais prendre une chaise. Comme ça, on va pouvoir s'asseoir devant la table. Voilà. Ça fait quoi, hein? Vilain patapouf. Je tape ta tête plutôt. Ou quoi? C'est pareil. Non. Oh non, il était beau celui-là. C'est pas de la mauvaise foi. Un petit peu quand même. Oh non, c'est pas de la mauvaise foi. Un jour, je devrais filmer ma manette. Vous voyez que j'appuie limite au bon moment. Voilà. Je sais pas si c'est un atémi ça, j'appellerais plutôt ça une claque. Voilà, bien fait. Ça fait mal de se prendre un coup de ceinture. Avec tout l'or qu'il peut y avoir dessus. Je sais même pas si c'est l'effet d'or derrière la ceinture. Hein, à vous de me dire. Et n'oubliez pas de me dire, à votre avis, qui sera le champion entre moi et... Oh, tiens une guitare. Entre moi et Wade Barrett. Non mais... Non. J'aime la musique, tu me laisseras tout taper avec, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Bah oui. Hein. Ouh, magnifique. Là, faut pas se couper pour un coup comme ça. Il suffit qu'il... Je sais pas. Mais c'est moi, lui, il a lancé la béquille. Je sais pas compris. Remettez marche arrière, vous verrez... Enfin... Reculez de 30 secondes, vous verrez qu'il y a un truc qui est apparu à gauche de l'écran, je sais pas c'était quoi. Malheureusement, quand on est en live, on voit mal. C'est comme ça. Hop.
Non, non. Ouais. Non, mais je te l'ai pas dit de taper l'arbitre, toi! Pardon. Il m'énerve. Il m'énerve fortement. Allez, relève-toi. Je t'ai pris pratiquement aucun dégât. Okay. Monsieur l'arbitre, excusez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous pousser? Merci. Tu me donnes ça. Je te fouette quelques fois, histoire... Non mais... Toi, je sais pas, t'en as contre qui, hein? Peut-être une personne du public qui t'a énervé, je sais pas. Mais il faut te concentrer sur ton catch. Voilà. Ça, c'est beau, ça, en plus. Attends, il y avait un truc, là. Ok, c'est le revenge, mais... Oups. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du beau jeu, comme on dit. C'est tout ? Un gros vilain. Ok, coup spécial. Oh zut. Ok. Oulala. Kawabunga. Ah mais, tu vas pas me laisser le faire quoi. C'est pas grave. Je te mets un de ces coups de pied, hein, et je vais te lancer encore une fois les escaliers. Oh là. Vilaine chose. Relève-toi. Je vais te réveiller avec des petites patates. Je vois, tu t'es pas endormi en fait. Ok, c'est ça, fout-toi de ma gueule. Salut. Oh. Mais ouh, encore plus. Eh mais, c'est moi dans le décor, il y a 4 blancs qui se ressemblent depuis tout à l'heure. Regardez bien. En plus, elles sont assises en même temps. C'est chaud. Bien fait. D'ailleurs, mot magique de cette vidéo, c'est blonde. Vous déplacez blonde dans un... Non, non, t'es un peu trop loin. Voilà, vous déplacez blonde dans un commentaire. C'est pas compliqué. Ça fait quoi, hein? Je sais même pas comment j'ai fait ce coup, mais je l'ai fait. C'est le principal. Ouh! Magnifique! Voilà, et si on termine comme ça, sur les escaliers. Reste là, bouge pas, bouge pas. J'arrive. Je vais te faire très mal. Aujourd'hui, c'est la journée des chaises. Okay, non, mais il veut niquer ma journée des chaises, lui. Okay. Oh là là. Mais dis-moi pas que c'est pas frais. Dis-moi pas que c'est pas frais. Ah, je l'ai dit. Je vais te calmer encore une fois. Hein. Position du Kamasutra. Voilà. Balabala. Boum. T'as aimé? Tu veux aimer encore plus? Avec ce que je vais te faire. Ok, je pensais que j'aurais quand même pu lui faire autre chose. Mais c'est pas grave. Regarde-moi quand je te parle. J'ai dit de me regarder. Voilà, il m'a contré, il m'a piqué mon finisher. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Je vais l'éclater jusqu'à qu'il parte. Parfait. Une belle clé de bras. Attention, ne faites pas ça chez vous. C'est assez dangereux. Faut être professionnel comme moi pour faire ce genre de choses. Mais non, mais je te dis de monter à la troisième corde pour une fois. S'il te plaît. Ah mais je suis monte, s'il te plaît. Ah oui, si tu m'écoutes pas. Hein. En plus, il est beau son slip. Oh mais pff, tu rêves. Ouh, ah c'était 2,5. Hein. C'était vraiment un 2,5. Je savais pas que j'avais pris autant de dégâts. Donc là, va falloir que... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais que... Mais... What the... Non, 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 c'est bon. Hey, c'est bon, tu vas prendre un high kick. Non, mais pourquoi il n'a pas fait son high kick, s'il vous plaît? Mais vas-y. Voilà. Là, il fait son côté, Wade Barrett. Hein. C'est-à-dire, là, pas du gain. Il veut, voilà, il veut me faire vraiment très très mal. Et en fait, c'est moi qui vais le faire souffrir. Voilà. Lance-lui ça, vas-y. Lance-lui. Et c'est Jammer. Non, le Sledgehammer, il est pour moi, hein, s'il te plaît, laisse-le moi. Mais tu te prends pour qui pour le jeter comme ça? Comme si je le méritais pas. Hein.
À ton avis, je le mérite pas? Hein? Je vais te faire montrer que je le mérite. Voilà. Je l'avais dit. Attends, je le lance. Hein? Je fais mon finisher si tu le veux bien, s'il te plaît. C'est pas grave. Non, si c'est grave. C'est très grave, putain, mais une patate. C'est bon, je suis KO. Oh, il se fout de ma gueule en plus. Bah oui. Mais c'est des décordes. Moi, je crie à l'injustice. Je crie à la tricherie, à la fourberie, à tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je ne suis pas d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, c'est pas grave. Même si je perds, le but étant de passer un bon moment. Et je pense que c'est réussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. À vous de me le dire en commentaire. Et puis voilà. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Salut! Perhaps the biggest in his life. What a main event to finish off this over the limit.